J'aimerais profiter pour féliciter toutes les personnes qui sont capables de faire la split. Parce que visiblement, c'est ça que vous voulez, des félicitations. Bravo, vous êtes capables de faire la split. Ça sert à quoi, hein, faire la split? Faire des plus grands pas? Je sais pas. Non, la split, ça sert vraiment juste à montrer que t'es capable de faire la split. Ça sert à impressionner légèrement le monde qui sont pas capables de faire la split. Non, c'est pas vrai, je niaise. La split, ça peut servir à interrompre une conversation dans un party. Pour que le monde fasse « Ah, ben coudonc, elle est incapable. Même pas déchirer ses pantalons. Wow! » Mais tu sais, tu feras jamais partie d'une anecdote intéressante parce que t'es capable de faire la split. Hein? T'entendras jamais « Hey, l'autre fois, je jouais au poker, Fanny a fait la split. Quoi? La split? La vraie split? » Attends, fuck l'allaitement. Tiens, mon bébé, raconte-moi ça. Mais non. Les pires, là, c'est ceux qui sont presque capables de faire la split. À fond, mais ils plient un peu le genou, mais ils font « Je faisais avant! » »« Je faisais avant. » Es-tu vraiment de nous interrompre pour nous montrer que t'es plus capable de faire quelque chose aujourd'hui? « Je faisais avant. » Moi, je faisais de l'eczéma avant, mais j'ai qu'un personne avec ça. Mais bravo!